Oh, it's your boy, Soldier! Bienvenue à WWE 13. Cette fois-ci, on est avec Edge et Christian. Inspirant la terreur, Edge et Christian faisaient partie des forces avec lesquelles il fallait compter lors de l'Attitude Era. Durant leur règne, ils remportèrent le championnat par équipe à 7 reprises. Ce match retrace leur première quête pour devenir les aspirants au titre numéro 1. Après un tournoi par équipe à 7, pour déterminer qui seraient les aspirants au titre numéro 1, Edge et Christian et les acolytes sur les deux équipes restantes, ils s'affrontèrent dans un match à SmackDown, mais une interférence externe entraîna un match nul, et le match retour eut lieu à Raw. Alors c'est parti pour le match acolytes contre Edge Christian, avec leurs lunettes de mouche là. On commence avec Edge et Faro, ok, il est plus rapide que moi. Ah, il fait déjà un changement, lui. D'accord. Non, j'ai visé l'autre sens, tu vois. Celui-là. Voilà. Bam! Drop kick. Première fois qu'on joue avec Christian dans ce mode, je crois. Il me semble bien, ouais. Donc, on n'a pas vu les débuts de Christian. C'est dommage. Le Spear Close Line en même temps là. Assez efficace comme prise. Hé. Rappelle-toi qui je suis. Je suis Edge. Crossbody. Oh, j'ai un suplex. Ah, pas le tomber. Trust Body. Trust Body. Allez, bras chaud, il t'arrive quoi là? Damn it. One. Non, mais comment? Les bras chauds. Airball shot. Et le crossbody en plein vol loupé. Ok, il va encore faire le changement. Là. Linebreaker. Qu'est-ce que les cheveux longs? Ça lui va mes cheveux courts, je trouve. C'est quoi son coup spécial lui? Tu veux faire un changement encore? Si tu veux. Execution! Et la tournoi spirale. Sauf qu'il faut faire le tomber avec Christian sur Bradshaw. Alors faut faire changement. Flapjack, faut attendre que Christian revienne. Non, pas le tomber, faut attendre que Christian revienne. Hé. Reste à ta place. Know your damn rule. Voilà. Encore le combo. Ah non, cette fois-ci Flapjack. Et toi, cette fois-ci, tu fais le changement avec ton pote. Double drop kick. Cherche Pepsi, c'est Pips. Je veux dire, c'est Pepsi. Non, toi, je parle là, toi, t'es blessé. Ok, t'as un petit problème d'orientation, c'est par là que j'ai dit. Voilà. Non mais. Oh, comment il a pu me voir là? Je sais pas ce qu'il fait Bradshaw, mais tu vas aller voir. Le petit JBL là.
Mais ça, c'est quoi ton problème? Il faut le changement, merde. Regarde, changement, comme ça. C'est pas compliqué. Ok, alors lui, il est pas content. Il est pas content. Bam! On l'a fait signer. Il est encore plus moins content si on le fait signer. Je sais pas c'est quoi ce coup spécial à lui. J'arrive pas à le faire. Ah, c'est peut-être comme ça là. Toujours pas. Bon, on va faire changement, on verra après. Ok? Que faire? Ah bon, bah c'est comme ça en fait. Ah oui, c'est le outil inversé, ok. Ouais, Bradshaw, ça va, tu fous quoi? Bradshaw. Oui, ça t'a quelque chose. Il n'est pas content, je le dis, il n'était pas content. Ça y est, il va s'attaquer à moi. Et elle, j'y fous que dalle. Fais le changement, tu vois, t'es blessé, tu saignes et tout. Toi, je t'ai dit, tu vas là-bas. Qu'est-ce qu'il fait, Bradshaw? Reste là, il va faire le changement avec toi. Regarde. Comme ça. Voilà! C'est pas compliqué, putain. Ok, l'autre tag qui se fait tout seul. Et je ne peux pas contrer, comme d'hab. Oh. Kill switch, kill switch, kill switch. On enchaîne le kill switch, le tomber. One, two. Yeah! On était plus rapide. Ah, ça valait le coup. Ça, c'est le match revanche, ah bon. Et qu'on a gagné, donc on est les aspirants au titre numéro 1. C'est sympa. Oh là là. Quelle équipe. JBL, Christian, Edge. Génial. Ensuite, Lita contre Stephanie McMahon. Lita avait développé une rivalité exacerbée. C'est quoi ce mot? Avec Stephanie McMahon et cette édition du Raw lui donna enfin une chance de remporter le Women's Championship. À cette époque, Stephanie fait tout pour nuire à Lita avec l'aide de Triple H et de ses petits camarades peu performantes sur le ring game. Stephanie mise davantage sur l'extérieur et des tactiques douteuses. Pour ce match, The Rock qui fut désigné comme un vice spécial pour assurer un combat équitable. Ok, sympa le combat équitable. De millions de dollars, princesse, bitch, je sais pas quoi là. Bizarre, un combat de diva, arbitré par un mec. Enfin, par un lutteur, mec. Ah, ça va pas l'état, nice. Monkey Flip. Donc là, on est face à Stéphanie, c'est un peu chelou. C'est dommage que dans le jeu, il n'y avait pas les Hardy Boys et les Dead Dead Boys. Bon, ils sont un peu un mode chez la TNA, mais vu que c'était les compagnons digitales dans la Team Extreme, c'était une équipe importante aussi comme Edge et Christian. Ah bon, c'est dommage. Crossbody. Donc là, il fallait faire un moonsault. Crossbody, on fait le tour, on fait le tour. One. It doesn't matter if the Rock's counts are free. The Rock can run up. Steph's in trouble. Powerbomb. Et Stéphanie, ce qui t'arrive, je crois que t'étais chaud de... sur le ring. Ah, merde. Qu'est-ce qu'elle venait faire? Classique. Armbar! Non, non, tu parles pas comme ça. C'est vrai qu'il dit, moi j'en ai rien à foutre, je me barre. Voilà, contre là. Contrée.
Team Extreme, leg drop. Le twist of fate. Final, un petit twist of fate. Oh, bon. Je peux l'être, je fais non, applaudis, c'est pas Lita, c'est une pute. Est-ce qu'elle peut voler, elle? Bien sûr qu'elle peut voler. Ah putain, puis elle vole vachement en plus. Je peux l'être, je suis tout fou là. Encore la twist of fate. J'ai deux finish là. Oh, elle touche le clip. Oh. Oh my god. On va l'exploser, c'est ça. Faut quoi qu'elle a... Elle a de quoi amortir, ça va. Bon, on est parti. Petit moonsault sur OP, ok. Ok. Le Queen of Extreme, elle a loupé son moonsault, ok, ça arrive. Cette fois-ci, un vrai twist of fate. Et on enchaîne avec un vrai moonsault. Elle est tombée, elle est tombée. Elle a Rocky. One. Non. Come on. Come on, Rocky, you son of a bitch. Monkey flip. Je peux frapper Triple H. Damn it. Triple H, you son of a bitch. Ah, c'est ça, m'approche pas, Rocky. Ne m'approche pas. DDT. De toute façon, ma chaîne. Moonsault tombé. One, two. Non, mais. Triple H, vas-y, mets le KO. Ça se fait pas, ça. Ça ne se fait pas. D'accord, c'est ta femme, on s'en branle, Pierre. Rock'n'Rana. Vas-y, refais le tomber là. One. Two. Mais ça fait quelque chose que tu peux lâcher. What the fuck, cet enfoiré m'a balancé par-dessus la troisième corne. T'es un enculé toi. Tiens, je te dropkick ta face. Qu'est-ce que tu fais ici, princesse? Pas un endroit pour toi. J'ai close un Triple H. Oh, elle est ici sur le sol. Yeah, Team Extreme, baby. Pas virer, tu peux pas l'être sur Pierre. Voilà, vire-le, non? Je vais pas refaire un moonsault si je peux pas faire tomber. Tu vires là, c'est ça? Non, toujours pas tiré. Où est Pierre? Je fais. Un DDT à Triple H. Un twist of fate, c'est pareil. Et ensuite, on fait le moonsault à sa femme. Stéphanie, vite, faut pas qu'il se relève, Triple H. Allez, vite, le tomber. 1, 2, 3, yeah! Technique imparable. Faire un twist of fate sur Triple H. Elita est la nouvelle championne féminine de la WWE. Yeah, Team Extreme, baby. Woo! Yeah! Woo! Oh là là. On a débloqué Lita et Stephanie McMahon. Donc
On verra Latino Hits au prochain épisode. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Swag out.